outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je voulais juste rappeler à l'autorité à Haute-Guadeloupe, effectivement, bon matin là, nous avons arrêté en négociation suite à un débrayage qu'elle nous fait semaine passée. On va rappeler que le président à Haute-Guadeloupe, il précisait dans toute chaîne qui est en Guadeloupe qu'il peut parler avec l'UTC encore. Mais seulement bon matin là, nous ne pouvons pas négocier avec Jean Baudet qui a une délégation pour mener négociation là, parce qu'il n'y a pas de mandat pour engager financièrement l'établissement là. Nous allons rappeler que nous sommes un protocole qui est signé depuis 2015. Depuis 2015. Ensuite, nous re-signons un protocole avec M. Charles, qui est président de Guadeloupe depuis en 2016, à rien pour respecter un protocole là. Nous voyons en proposition de revalorisation régime indemnitaire qu'on nous a fait en toute Guadeloupe. Nous allons continuer. L'autre côté, nous avons signé, déjà appliqué. Et ici, pour Jean signer et pourquoi appliquer. Nous allons rappeler, et de toute façon, le président de Guadeloupe sait ça très bien. C'est lui qui est président, c'est lui qui nous a négocié. Et c'est lui qui a signé le protocole là, qui nous a signé. Nous avons discuté concernant les revendications là et nous avons les moyens pour ça. Parce que les moyens, nous, tout le monde connaît lui. C'est pour après, pour nous ne pas dire qu'il a été ouvert à la négociation et l'UTC fait. Nous avons rappelé encore que dans tout le collectif de Guadeloupe, depuis nos négociations, mais là ne peut pas être présent, d'accord, mais il a un mandat pour engager la collectivité là. Et ici, singulièrement, directeur incident et directeur adjoint, M. Kilin et M. Pondoff, ils savent très bien que nous avons négocié ici, dans, en tout cas à Haute-Guadeloupe, avec des élus qui passent systématiquement président, mais qui ont un mandat écrit pour négocier avec nous. C'est ça que nous avons demandé. Tout le temps, pas un mandat écrit, nous pouvons négocier. Si pas un mandat, ça veut dire que c'est le président qui l'a. Et de toute façon, ça peut durer longtemps. Nous avons besoin de moyens rapidement pour nous mettre dans la CISE et pour nous négocier. Si l'ensemble des points, nous avons rappelé. L'ensemble, nous avons fait bilan protocole que nous signé ici dans 2016, revalorisation du régime indemnitaire, régularisation à la NBI et une série de cas particuliers qui nous, parce qu'en dernier établissement, nous avons souffert toujours parce qu'il a subi la pression et aussi le harcèlement. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.